Thank you.
entends ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses méfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et là tu pries aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. C'était les paroles du psaume 116. Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce matin. Bon Dieu, bénis-nous, Saint Jésus, couvrez-nous. Moi, saluez-nous tous, matin, dans le nom de Jésus. Moi, content encore une fois, matin, la nouvelle semaine, ça, pour qu'on puisse rencontrer ensemble avec vous, à bon table, pour nous chercher la présence de Dieu ensemble. Pour nous capables de prier ensemble et pour nous capables de manger la parole de Dieu ensemble, la parole de Dieu qui s'est mangée pour nous, pour nous capables de manger ensemble matin. Quittez nous faire louange pour le Seigneur tout d'abord, avant tout matin, mes bien-aimés, pour la vie que le Seigneur qui est dans nous, le souffle de vie qui est encore dans nous. Matéan, moi-même, ça m'a fait gros, nous avons respiré. C'est une grâce spéciale. Parce que il y a un pile l'autre qui détend aller. Il y a un pile l'autre qui défonce nous. Moi-même, le Seigneur fait une grâce. Amis auditeurs, le Seigneur fait une grâce. Nous lui disons merci pour ça. Nous, on continue à faire louange pour le Seigneur, pour compassion, qui va jamais finir, bonté, miséricorde. Oh, dans Lamentations 3, verset 27, la parole de Dieu dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'on fait louange pour le Seigneur, pour miséricorde, lui, qui est renouvelé dans la vie, nous, encore une fois, matin. Nous revenons lui bien haut, parce que toute l'autre monde, et nous retirons le chapeau devant puissance, qui c'est une puissance inébranlable. Alléluia. Nous chantons matin. Nous allons continuer de dire le Seigneur merci, mes frères et sœurs. À part de la vie, le souffle de vie, l'air et l'oxygène que nous avons respiré, mais nous avons dit merci pour ce nouveau mois. Je dis hein, qui c'est premier mars 2022, troisième mois de l'année. Mes bien-aimés, va penser le Seigneur méditer. Oh, un cri d'action de grâce, un cri de remerciement. Le cri de louange. Alléluia. Moi-même, ensemble avec vous, Noël, je dis là que c'est le 1er mars. Non seulement on a dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, mais tout nous a fait louange pour le Seigneur pour le troisième mois. Ça. Oh, combien bagaille était difficile pour nous. Combien nous crier, combien nous lamenter, combien nous pas qu'à dormir, mais malgré tout, le Seigneur fait grâce, il fait nous entrer dans le troisième mois de l'année. Oh, c'est pour le Seigneur, bénis-moi ça pour nous. C'est pour le Seigneur, oh, camper dans moi ça pour nous davantage. C'est pour camper davantage. Puis plus toujours que j'en l'habitude campé pour nous-mêmes ensemble avec vous. C'est pour nous continuer à faire de grandes choses à travers la vie, nous, dans moi ça, pendant que nous-mêmes nous adoré, pendant que nous-mêmes nous exalté, pendant que nous-mêmes nous levons le bien haut, passer tout le monde dans moi ça. Et pour toujours, parce que faire louange pour le Seigneur, mes bien-aimés, c'est une obligation pour nous ensemble avec vous. Parce que c'est seulement ça que nous avons fait pour le Seigneur. Nous n'avons pas fait l'autre bagaille encore. C'est seulement adorer, nous avons adoré. C'est seulement exalter, nous avons exalté, louer, nous avons loué. Et chaque jour, nous voyons que nous levons, mes bien-aimés. C'est pas parce que nous n'avons pas malade, non. C'est pas parce que nous n'avons pas de douleur. D'ailleurs, le diable décide pour persécuter nous jusqu'à la porte du ciel. Donc, nous n'avons jamais dit que nous pas d'accord persécuter, non. Non. Nous pas d'accord persécuter. Mais même dans les persécutions, depuis, nous sommes toujours en vie. Nous devons continuer à faire louange pour le Seigneur. Car la parole, bon Dieu, fait nous connaître dans le livre des Psaumes, Psaume 150. Oui, tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela veut dire que nous sommes avec vous, n'a pas respiré. Nous devons faire louange pour le Seigneur. Maintenant, mes bien-aimés, nous sentons contents. Nous contents de plus toujours parce que nous réalisons que le plan de Dieu pour la vie, nous, c'est pas un bagaille que moun ka comprendre. Non, c'est pas un bagaille que moun ka comprendre. C'est pas un bagaille que moun ka bloquer non plus. Non, moun pa ka bloquer les plans de Dieu dans la vie. C'est ça fait moi-même ensemble avec vous. Nous devons toujours rendre bon Dieu action de grâce. Tant que j'en dis dans 1 Thessaloniciens 5, il dit nous devons toujours rendre bon Dieu action de grâce en tout temps et en toutes circonstances. Donc c'est vrai, mon maillot qui n'est pas propice, mon maillot qui est vraiment difficile, mais j'aime toujours aimé dire, on n'a pas quitté rien, retirer adoration dans la bouche. Pour quelle raison? Parce que le diable, son job l'a fait, il est là pour le tenter, il est là pour le décourager. C'est job, lui, l'a fait parce que, au passage, j'ai qui ça a été fait, Job.
ou songez que ça le défait Job, parce que le diable toujours a l'impression que c'est parce que un peu le fan a vu bien qui vient d'observer bon Dieu. C'est ça que le diable toujours est dans tête. C'est parce que la vive bien qui fait la servir mon Dieu. Et c'est même intention ça a été gagné pour Job. C'est intention ça a été gagné pour Job. Les aller bon côté l'Éternel. Et puis l'Éternel dit comment on servit Dieu là, sur la terre. Mais venez-le qui te dit. L'Éternel toujours pose des questions sur la vie. Attendez. Comment on est petit fin là, sur la terre. Petit film, ça veut dire, ou même, comment ou petit garçon, comment ou serviteur sur la terre. L'Éternel toujours demander parce que l'Éternel connaît que c'est comme ça lié. Il est toujours rodé autour de nous pour l'aller côté mon Dieu, pour la porter pleine. Mais bien aimé, c'est ça que fait toujours un dire ou besoin prudent dans mode de vie que vous menez. Parce que le diable toujours à rôder autour de vous, le paraît bon côté mon Dieu pour garder, mais qui savent où on va faire. Vous comprenez? Et puis, le Seigneur dit, comment vous serviteur dans la chambre sous la terre. Le diable bien la bien. Vive, la bien menée, puisque le tout sale gagné. La bien vive. Aïe. Et puis il dit, bon Dieu, regardez, ouais, si je prends tout ça, sous bonne permission, pour me prendre tout ça pour céder, lui, pas quoi dans encore, la motive, la paix de la foi. Mais bien aimé, qui bagaille, l'elle vient sous ou tout, regardez, lui, pas venir pour l'autre bagaille, lui, venir pour faire paix de la foi. Le diable connaît sans la foi ou pas agréable devant mon Dieu. C'est ça que fait dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Cela veut dire que le diable connaît sans la foi moi vont pas agréable devant mon Dieu. C'est ça que fait l'elle vient attaquer au non niveau même pour voir si la va atteindre foi. Et ça fait matin, zami, m'a dit ou que m'a encouragé ou pour pas quitter le diable attaquer foi. C'est vrai lui qui a fait malade. C'est vrai lui a persécuté. Lui montrer que tout bagage noir devant. C'est vrai lui montrer ou que pas de possibilité pour un lien fait dans la vie. Mais quitter me dit ou zami, c'est la foi ou lui besoin attaquer pour force suspendre croire dans mon Dieu. Comprendre une force suspendre espérer dans mon Dieu. Et ça fait moi-même ensemble avec vous, ne n'a pas approché devant le trône de la grâce. Nous devons approcher avec assurance afin d'obtenir miséricorde. La parole de Dieu dit dans le livre Hébreux chapitre 4 verset 16, il dit approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde pour être secouru dans nos besoins. Mais bien aimé, au pape qu'à secourir dans besoin ou yo, si vous approchez devant le trône de la grâce sans assurance. Ça veut dire, sans assurance, nous pas qu'à, même si vous faites toute une journée à prier ou pas qu'à secourir dans besoin ou yo. Cela veut dire que vous devez gagner une ferme assurance. C'est ça, oui, la parole de Dieu dit dans Hébreu, dans le livre Hébreu. Regardez, il dit, la foi c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance. Ou écoutez le mot assurance là, André, ça veut dire que l'on va approcher devant le trône de la grâce. Faut qu'on approche avec assurance. Ça veut dire qu'il faut qu'on approche avec la foi. Alléluia. Faut qu'on approche avec la foi, mes bien-aimés. Ou doit approcher avec la foi. C'est la foi qui peut le faire que vous joignez ou je ne secours dans le besoin. Maintenant, mes bien-aimés, moi senti mon assurance pour moi capable de rassurer que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Moi appuyer sur le Seigneur pour moi capable rassurer que notre Dieu est fidèle. Et notre Dieu est fidèle en tout temps et en toutes circonstances.
mes frères et sœurs. Il est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. En tout temps et en toutes circonstances, mes frères et sœurs. Notre Seigneur est fidèle. Mais bien aimé, dans Genèse chapitre 21, la parole de Dieu fait nous connaître que le Seigneur t'est venu songer Abraham avec Sarah la promesse qu'il t'a fait. Il est venu songer. Il se souvient de Sarah, ce qu'il avait promis. Le Seigneur t'est venu songer qu'il t'a fait Abraham et qu'il t'a fait Sarah une promesse. Pas oublier, là, le Seigneur t'a visité Abraham. Dans Genèse chapitre 18, le Seigneur t'a dit, dans verset 14, est-ce qu'il y a un bagage qui est étonnant de la part de Dieu? Autant fixé, la retourner côté Abraham dans la même époque, ça, et Sarah qui est petite. Dans Genèse 18, verset 14, eh bien, mes bien-aimés, dans chapitre 21, dans le même livre Genèse là, le Seigneur vient songer Sarah, promesse que tu fais, et Sarah te vient tomber enceinte. Mais bien aimé, matin, m'en vais dire ça. M'en vais dire qui t'es chez ou fixé sur le Seigneur. Parce que le Seigneur a songé promesse que tu fais. Mais bien aimé, le Seigneur, notre Dieu, c'est un bon Dieu qui est fidèle dans les promesses. Il n'y a pas un Dieu qui parle repentir de parole. Il n'y a pas un homme qui peut bailler mentir. Dans Nombre chapitre 19, la parole de Dieu fait nous connaître que le Seigneur, pas un Dieu qui compte bailler mentir, ni un homme qui parle repentir de ce qu'il dit. Tout ça le dit avec bouche li, mais bien aimé, on me croit que le Seigneur a pas accompli avec Meli. Le Seigneur enfin songe Sarah. Songe promesse que te fait Sarah. Oh, matin, Zamim. Matin, moi senti que le Seigneur a songe promesse que te fait. Ou nan désert longtemps, ou a crié longtemps, ou a souffri longtemps, ou a lamenté longtemps, ou a pris déception longtemps, mais qui te me dit au matin que le Seigneur songe promesse que le te fait. Que le Seigneur songe promesse que le te fait, Samine. Même Jean te songe promesse que te fait Sarah. Et Sarah te vient enceinte. Sarah te vient tomber enceinte. Et elle te fait un petit garçon. Dans Genèse chapitre 21, la parole de Dieu fait nous connaître que Abraham te vient âgé de 100 ans. Là, Sarah te fait. Oh, c'est une promesse qui te fait depuis les Abraham te gagné. 75 ans d'âge. 25 ans passés, mes bien-aimés, avant l'accomplissement de cette promesse. 25 ans que Abraham t'a appris des leçons. 25 ans, Abraham t'a appris maturité. 25 ans, Abraham t'a tonne. 25 ans, Abraham t'a quitté gel fixé sur mon Dieu. Oh, matin, Zamim, je veux faire connaître par Job qui est Canaan sans désert. Toujours gagner un désert pour former caractère.
toujours gagné un désert qui est là pour grandir spirituellement. Toujours gagné un désert qui est là, amis, pour pas ou maturité. Mais une chose est certaine, que la promesse de Dieu s'accomplira. Il s'accomplira certainement, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, mes bien-aimés, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dit la parole de Dieu dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, le verset 3. Mais bien aimé, elle s'accomplira certainement. Elle marche vers son terme. Matthieu, amis, m'a dit, regardez, oh, les promesses de Dieu s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Et ça fait moi avant nous pas de quitter et les tribulations de la vie décourager nous. Nous pas de quitter et décourager nous, mes bien-aimés. Nous pas de quitter et retirer chez nous sous mon Dieu. Parce que c'est Wallio, c'est Job qui a fait. Il y a pris nos murs, mais bien aimé, il y a l'or pour que j'aime briller sans que le pas passer dans du feu. Il y a l'or pour que j'aime briller sans que au fleuve là pas retirer tout calcaire la dernière. Sans que le pas prendre en pile du feu, en pile coup de bateau pour prendre forme que l'il doit prendre. En plus froid, femme avec ce maillot, en plus monde seulement content de porter l'or, mais yon plié qui côté, mais qui route l'or à passer. Yon plié les étapes à suivre avant que yon l'or brille. Et bien, matin qui t'aime dire l'or de l'éternel. Oh, Matéan, gardez me sentir que nous devons changer nom pour moi relever au l'or de l'éternel. C'est vrai, étapes difficiles. C'est vrai, les étapes sont très difficiles. Mes amis, qui t'aime dire, au poil briller, mes bien-aimés. En plus, le monde, pas qu'on est côté où sorti, c'est vrai. Mais gardez, en plus, le monde, poil aider. Témoigner les bienfaits de l'éternel, chanter les bienfaits de l'éternel. Sarah, t'es venu chanter les bienfaits de l'éternel, mes bien-aimés. Dans Genèse 21, chapitre 6, dans Genèse chapitre 22, verset 6, Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Le Seigneur pour le fait de vous, un sujet de rire, un sujet d'étonnement, mes bien-aimés. Tout le monde qui parle apprendre de l'histoire, il pourra le rire, il pourra le trouver sa famille, parce que c'est seulement le Seigneur qui a fait un bagaille pareil. C'est seulement le Seigneur qui a tracé une route comme ça, mes bien-aimés, qui t'échoue ou fixé sous mon Dieu. Suspend nos pensées aux événements anciens, aux événements passés. Pas considérer encore, mes bien-aimés. Car le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle. Il y a une bagaille nouvelle, mes bien-aimés, qui est sur le point d'arriver. Ou capable constater, et si vous fixez les yeux sur mon Dieu, si vraiment vous activez la foi, mes frères et sœurs, l'or de l'éternel, si vous activez la foi, vous sentez ça, vous sentez qu'il y a une bagaille qui est sur le point d'arriver. Il y a une bagaille qui est en route, mes bien-aimés. C'est le Seigneur qui a fait. Le Seigneur pourra tracer un chemin dans le désert. Il pourra faire un fleuve d'eau couler dans la solitude, nos amis. Le Seigneur pourra boire un chant d'adoration, un chant, nos amis. Le Seigneur pourra boire un chant. Dans Ésaïe 43, verset 18 et 19.
La parole de Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Il est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Fais cœur content, Zamim. C'est ça que fait tout à l'heure, moi t'ai rappelé aux deux versets ça, mes bien-aimés. Les rois approcher vers le trône de la grâce, on doit approcher avec assurance, car la foi est une ferme assurance. Mes bien-aimés, pas poser cette question pour dire que ça c'est où. Au contraire, c'est parce qu'on pourra le briller, puis plus on pourra le briller, c'est puis plus étape difficile. Job va quitter la foi à la terre. C'est vrai, le diable dépend toute sa Job dépossédée. Il était réduit Job à zéro. Mais il était bon bagaille. Il n'y a pas de Job qui a retiré dans Job. Mais bien aimé matin, c'est pour dire ça. Tant que Jean Job te dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son Seigneur soit béni. On nous fait louange pour le Seigneur dans les moments difficiles. On n'a pas quitté un lien, retiré adoration nous, avec louange de la bouche nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur a fait de Sarah un sujet de rire, un sujet d'étonnement, car rien n'était possible de la part de Dieu. Le Seigneur parle fait de nous un sujet d'étonnement également. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Fais cœur au côté matin pour nous aller devant le trône de la grâce avec cette assurance. Cette assurance qui est la foi. Pour que nous capables de secourir nos besoins, nos épreuves, nos tentations, nos calamités. Alléluia. Disposez cœur, mes frères et sœurs, pour nous aller rencontrer avec bon Dieu dans la prière, car c'est l'unique façon que nous allons rencontrer avec le Seigneur. C'est dans la prière. Alléluia. Seigneur, nous trouver que le plus important que jamais pour nous faire louange pour vous avec assurance, avec cette assurance, Seigneur, que nous t'es senti, que nous t'es sur le point, Seigneur, pour nous t'es perdu, parce que matin, plus que jamais, nous finis par comprendre que. Les persécutions y ont fini. Y ont pas fini seulement pour détruire nous, mais y ont fini pour détruire la foi qui est en nous.
yo vini pour détruire assurance ça qui entend nous qui fait chien toujours fixé sur. Au matin qui nous commencer Seigneur pour nous dire merci. Merci Seigneur pour porter une miséricorde qui renouvelée dans la vie nous matin. Je dis à qui c'est 1er mars 2022 éternel Dieu tout puissant. Yon jour, yon date que nous battons même espérer. C'est nous date pour elle. Parce que bagayou tellement raide, bagayou tellement difficile, boutou là tellement à pic, li étroite, li glissé. Nous te pensons, Seigneur, que nous t'étant tombé déjà. Mais maintenant, nous faisons louange pour vous. Parce que jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Et ça fait éternel notre Dieu matin, nous lever main nous pour nous crier et bénir. Et bénir. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Oh, nous fais louange pour vous matin, Seigneur, pour bien faire nous dans la vie nous. Et nous fais louange également pour saouiller, pour puissance, pour grandeur, pour autorité, pour majesté, pour pouvoir, oh, Seigneur. Qui pas jambes pour en fait. Au matin, éternel, notre Seigneur, nous avons continué à faire louange pour vous, pour ta sainte parole. Merci pour façon que vous continuez à encourager nous, pour façon que vous avez remonté moral nous. Au matin, merci parce qu'on fait nous connaître que nous soyons l'or, nos yeux parlent. C'est vrai, nous connaissons l'étape de l'or, il est vraiment difficile, mais nous pourrons le briller. Nous pourrons briller parce que promesse river sous point pour le capable accoucher. Promesse river sous point pour le capable accomplir. Promesse river sous point, Seigneur. Alléluia. Pour le capable, Seigneur. Accomplis, Seigneur, tout ça que vous t'es prononcé. Tout ça que vous t'es dit sur la vie. Non? Oh bon Dieu, merci parce que, Seigneur, vous êtes vraiment difficile. Pour pile dans nous, c'est vraiment pas facile. Ça coûte nous en pile, gloire dans les cieux. Ça coûte nous, Seigneur, en pile moment de solitude. Ça coûte nous en pile, Seigneur, pour faire nous chez nous, nous, Seigneur Dieu. Mais, mon Dieu, nous capables de dire, oui, il était difficile. Mais le Seigneur l'a fait. Tant que Jean, c'est avant de chanter. Oui, il fait. C'est pour ça, oui, en pile dans nous pour chanter que le Seigneur fait. Les fèles, pas que nous ne comprenons nous, parce que nous n'avons pas de place nous, mais nous seul bagaille n'a qu'à témoigner que vous sortez loin avec nous, que vous faites un pile route avec nous, que le Seigneur nous crie en pile, que nous trébuchons en pile, mais aux fèles, oh Seigneur matin, nous sentis que nous apprenons nous une action de grâce anticipée, parce qu'on pourra le faire, on pourra le tracer un chemin. Dans le désert là pour nous, ou pour péter yon source l'eau, yon fleuve, Seigneur, dans la solitude, nous. Oh bon Dieu, matin nous rendons action de grâce, plus que jamais, Seigneur, plus que jamais, nous rendons action de grâce, parce que nous sentis ça, Seigneur, nous sentis vibration, nous sentis qu'il y a un bagage nouvelle qui peut le faire, un bagage qui pourra jamais faire dans la vie, nous déjà. Yon nous senti, ça c'est un bagaille que nous pourrons jamais vivre, qu'on pourra le faire, mon Dieu. Nous senti ça, et ça fait une grande action de grâce. Tant que Jean-Jésus-Christ a eu l'habitude pour te faire l'être sous la terre, quel que soit ça qu'on t'a pas le fait, à travers lui-même, il toujours dit, Père, je te rends grâce. Oh, matin, n'apprends-nous grâce, Seigneur, pour cette nouvelle chose que on pourra faire. Dans la vie, nous. Oh, nous faisons louange pour vous. Nous faisons louange pour vous, bon Dieu. Nous faisons louange pour vous, Seigneur. Nous faisons louange pour vous. Pour en pile dans nous, pas que réaliser que nous t'ayons autant d'importance dans les cieux. Parce que nous t'arrivons au point, nous t'avons dit, pour qui ça, c'est nous-mêmes. Pour qui ça, nous rend difficile comme ça. Pour qui ça, c'est nous-mêmes qui tentons comme ça. Pour qui ça, c'est nous-mêmes persécution dure comme ça pour lui. Oh, matin, nous avons une réponse là, mon Dieu.
Nous gagnons réponse là, Seigneur. C'est parce que nous sommes là dans les cieux. Nous avons tiré calcaire. Nous avons modelé nous. Nous avons payé nos formes. Nous avons transformé nous. Oh Seigneur, matin, nous bénissons. Nous bénissons parce que quand il va nous apprendre nous. C'est à travers bleu dans les yeux que vous apprenez nous. Quand il y a des choses nous, c'est dans le désert. De façon à former le caractère nous. C'est dans le désert ça. Abraham t'étend pendant 25 ans. Sarah t'étend pendant 25 ans. Oh Seigneur, c'est vrai, pile dans nous pas 25 ans. Mais c'était vraiment dur. Mais maintenant, nous faisons louange pour vous. Nous levons bien haut. Nous adorons plus que jamais pour cette nouvelle chose que vous pouvez faire dans la vie. Nous. Pour nous, pour Seigneur, nouveau témoignage ça, qu'on prend par nous, pour action de grâce ça, que Seigneur Dieu, vous mettez dans la bouche nous matin. Nous faisons louange pour vous. Nous adorons, nous exaltons, éternel notre Seigneur. Nous exaltons, bon Dieu. Que nous bénis, que nous glorifiés à jamais. Que nous bénis, que nous glorifiés à jamais. Que le nom de l'éternel soit béni. Que le nom de l'éternel soit exalté. Que le nom de l'éternel, oh, soit honoré, soit élevé. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, soit la gloire, soit la majesté, soit la force, soit la force, soit la force, soit la force, amen, soit la force, au siècle des siècles, alléluia, alléluia, que nous bénis, que nous célébrer, que nous adorer, que nous adorer, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton nom soit loué, au nom de Jésus, que ton nom soit célébré, au nom de Jésus, que ton nom soit exalté, alléluia, que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté, que ton nom soit, toi, ça soit élevé, élevé, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Oh Seigneur, louange pour vous, adoration pour vous. Continuez, conduis-nous, continuez, guidez-nous, continuez, menez-nous, continuez, conduis-nous, soyez capable de conseiller nous, soyez capable de vivre dans nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Ensemble avec vous, ma terre. Que moment de prière, ça va être un sujet de bénédiction pour l'amour. Moi, pas qu'on est non, mais moi, senti, ma terre, que le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle dans votre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Ma terre, moi, j'ai senti béni, oui. Pas qu'on est pour moi, mais moi, j'ai senti béni. Que le Seigneur continue à fortifier vous. Que vous continuez à rendre action de grâce. Matin. Dieu bénit en saint Jésus pour vous. Tu fais toujours en vous sur vous, sur tout ça. Qui toujours avec vous, à votre table chaque matin. Pour servir vous. Que le jeûne spirituel, ça, le sujet de bénédiction pour la vie. Avec la vie familiale.
Merci pour partager. Merci. Merci. Si on a plus gros support, on est capable de bailler l'émission de prière ça. Façon qu'on partage un moment de prière ça. Bon Dieu bénis-nous. Saint Jésus, couvrions. Restez avec la paix de Dieu. Gardez, restez dans l'adoration. Le sentier que vous devez rester dans l'adoration. Parce qu'il y a une chose nouvelle, qui est sur le point d'arriver. Bon Dieu bénis-nous. Que le Seigneur fortifie. Bonne journée avec Jésus. Shalom. Shalom. Thank you.